Salut tout le monde, c'est Chucky0030 et donc c'est parti pour, je pense, la dernière vidéo sur Amnesia The Dark Descent. Donc toujours en compagnie de notre bon vieux Agrippa là qui parle dans le vent, hein, comme d'hab, puisqu'on ne l'écoute pas. Et donc alors, je vais m'éloigner parce que sinon il va m'empêcher de réfléchir ce qu'on a. Qu'est-ce que je devais faire? Telle est la question. Déjà on va allumer la lumière. Merde, on peut pas, d'accord. Parce que là apparemment mon mec est en train de flipper. On va aller là-bas. Ah voilà, les ingrédients. Il me manquait un ingrédient. Donc j'ai fait quelques petites recherches et en fait mon ingrédient manquant se trouve dans un puits. D'ailleurs c'est marqué là sur la note. Je vais vous montrer. Dernière note de prisonnier. Agrippa, guide, c'est lui. Voilà. Hop. Le tempter, voilà, c'est ça qu'il nous faut, le tempter. Quant à lui, il devrait être plus difficile à obtenir. Je ne pense pas qu'il existe dans ce monde. Le simple fait d'écrire le mot avec ses lettres semble faux. Je crois que c'est une propriété de la sécrétion de Kaernk. Alors ça, c'est un mot que je ne peux pas dire, désolé. Qui vit dans l'eau. Je devrais en parler à je sais pas. Car il devra me fournir un hôte. De même, un puits bien préparé devrait suffire à le contenir. Alors, qu'est-ce que le Kaernk? Putain, c'est fou quoi. Je sais pas comment on dit ce mot. En fait, c'est le monstre qu'on avait vu genre au milieu du jeu à peu près, qui a dans l'eau en fait. C'est un monstre qui vient pas de notre monde, enfin du monde où se trouve notre héros. Il vient d'un autre monde. Et en fait, tout simplement, ce qu'il faut, c'est qu'est-ce qu'il dit, ça bave, je crois, en fait, hein, c'est tout simple. Plus ça, je pense que c'est simple. Ouais, je crois que c'est... Je sais pas, c'est un ingrédient. Et, alors, voilà, le truc qu'il y a, c'est... Merde, oh, ça fait peur. Le seul truc qu'il y a, c'est que... c'est dégueulasse. Où est ce puits? Je sais plus. Voilà, c'est ça le truc. On va essayer de monter là-bas un peu. Ben c'est bizarre parce qu'il a des difficultés à monter les escaliers. Tiens. On va sauter, on va l'aider un petit peu. Hop, ok, d'accord. Donc là, apparemment, il y a une poutre, on en a rien à foutre. On va sauter comme ça, éviter de se faire mal pour rien. Bon, ici c'est blocage. D'accord. Ici, peut-être par là-bas. Alors, est-ce que c'est ici? Je sais pas si c'est ici. Il me semble pas que ce soit dans ce puits-là. Hein. On va tout de même essayer d'attacher notre bout de viande. Mais il me semble que c'était dans un puits qui est un petit peu plus loin. On va tenter quand même. Ah si, ça a marché. Tiens, ben. Ça a marché. Voilà, regardez. Wow, il y a une musique franchement flippante quoi. Ok. Donc apparemment c'est bon, il a l'air de s'être rassasié. On va... Merde. On va remonter notre gigot. Ouh, il ne reste qu'un os. Est-ce que je peux l'attraper? Reste ramassé. C'est bon, on va pouvoir se finir notre ingrédient. Oula. Ah! Je sais pas pourquoi j'ai fermé la porte. Réflexe sûrement. De toute façon, je pense honnêtement que à ce stade du jeu, on ne verra plus le monstre. Hein. Je sais pas du tout. Parce qu'après, là, on va faire quoi? On va avoir le... Merde. On va avoir l'ingrédient. Hop. Alors, on va faire la fiole là de... Le produit sera fini en fait, en quelque sorte. L'os est couvert de mucus, donc voilà, ça doit être sa bave. Hein. Hop, parfait. Tac. Anquille. Et voilà. Ramasser le tonique, c'est bon. Ça c'est... Wow. Wow. Ça,
Tu as réussi, Dieu merci. Non, tais-toi, 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 je veux pas t'entendre. Tu dois te dépêcher, Daniel, il n'y a pas le temps de traîner. D'accord, tu veux le tonic? Tu veux le tonic? Tiens. Vite, coupe la tête. Oh ouais, je crois qu'il faut que j'y coupe la tête à ce gars-là. Il montre pas le... Par contre, il y a le bruit, hein, mais... Oh, mais t'es... Oh, la tête d'Agrippa. En fait, si j'ai bien compris, le propriétaire des lieux, donc Alexandre, il me semble qu'il s'appelle comme ça, veut repartir dans son monde. Et en fait, pour repartir chez lui, il a besoin ce qu'on a cherché pendant 30 ans dans les salles de torture là, espèce d'artefact. Il a besoin pour repartir chez lui. Putain, en fait j'ai pas compris du tout l'histoire en fait. J'essaie de lire un petit peu mais c'est bordel. Et en fait à la place de que ce soit lui qui reparte, il faut balancer la tête de ce gars dans le portail avant que ce soit Alexandre là qui s'en aille en fait. Juste pour le faire chier en quelque sorte. En fait j'ai pas compris. Tiens, on va allumer une lampe là juste pour le fun. Non, on peut pas. On va voir un petit peu. Attention, peut-être qu'il y a le monstre là encore. Oh non, c'est bon, il n'y a plus de monstre. Ok. Nous, on était bon ici, on avait tout fait. Hein. On avait tout fait ici. Hein. Puisqu'on avait arrêté. On avait mis l'orbe là-bas. On avait arrêté le mécanisme qui permettait de. Qui protégeait le portail là. Enfin, je sais pas. Ok, bon, ben c'est parti. Oh, oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh la vache! Oh, m'a fait peur ce con! Ouh. Ok, donc c'est parti! Wow! On ne peut revenir. Oh, 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 oh. Merde. Il y a une manivelle. Ah, ça vous déporte. Ah, il y a une note. Ce n'est pas juste, je ne suis pas à blâmer, j'ai été manipulé par ce démon, il a joué avec ma conscience de coupable et m'a tué en me laissant affronter seul l'ombre. Cet homme vil est Alexandre, je te tuerai pour ce que tu as fait si seulement l'ombre m'avait attrapé à Londres, en Algérie. D'accord. Donc là, nous sommes face à un hôtel, apparemment, où on peut toucher. Ah! Aïe! Aïe, bah oui, forcément. Ah, bête. Oh putain, une blessure saigne gravement. Je me suis fait super mal là. Allez, on utilise toutes nos. 38 quoi, 38. J'en ai utilisé aucune des. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Wow! Ça a changé de couleur, ça, Dion. Attends, j'y reviens dessus, quoi. Il y a quelque chose à faire ici. Ah, apparemment, faut mettre son sang. Aïe, wow, qu'est-ce qu'il arrive là? Qu'est-ce qu'il y a, mon mec? Équilibre mental? Ah merde. Vas-y. Eh, t'inquiète. Regarde, Versailles.
Regarde, c'est tout éclairé là. C'est bon, il reprend ses esprits un peu. Apparemment, faut toucher ça. J'ai vu qu'il y avait une autre porte qui s'était allumée là-bas. On va essayer de courir. Non, ça fait rien. Apparemment, faut toucher ici. Il y a une lame comme ça avec de l'eau, il faut mettre son sang. Hop, on va mettre de la lumière comme ça. Hop, et là ça c'est d'accord, ok. Fallait mettre son sang et venir sur les plateformes. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, je sais pas. Oh mon dieu. Oh, il y a le monstre. Oh, il y a le monstre quelque part. Allume la lumière, allume la lumière. Ah non, c'est dégueulasse, c'est ça c'est l'ombre qui s'est répandue. On va essayer de sauter. Oula. Oula. Oula, ce couloir là, il m'inspire pas. Hein. Il m'inspire pas. Comme ça, apparemment, il n'y a pas grand chose. Chambre de l'orbe. On est à la fin. Je sens qu'on est à la fin. Si ce n'était pas pour Alexandre, il serait encore innocent. Il pourrait mourir. Ça. Je me demande si tu allais venir. Je vois qu'Agrippa t'a convaincu de faire quelques courses. Dis-moi, est-ce que tu es beau, clairvoyant maintenant? Est-ce que je suis le méchant? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Le bien et le mal, ce sont des concepts tellement réconfortants. Mais difficile à mettre en pratique, ok. D'accord, ok. Qu'est-ce que je dois faire? On va voir à quoi il ressemble, les gars. Oh! Oh! Oh, ce salopard, il m'a cramé. Alors lui. Je vais faire. Elle où la tête d'Agrippa là? Il a dit, mets-moi dans le portail. Le portail n'est pas encore ouvert. Et je fais quoi alors? Je fais quoi? Hein? Parce que s'il y en a un que j'ai envie de faire chier, c'est bien lui là, hein, ce vieux Pecno. Qu'est-ce qui nous aura saoulé toute l'aventure là? C'est à cause de lui tout ça. Bon, le portail n'est pas encore ouvert, comment on fait pour l'ouvrir? On a des trucs à faire. Allez, ouvre-toi! Merde, j'ai tout. Il y a peut-être un truc à faire pour que ça s'ouvre. On peut toucher ça. Mais il me semble que dans ce jeu, il y a trois fins différentes en fait. Il y a soit le portail s'ouvre on laisse passer ce mec dans le portail en fait. Soit on casse les poteaux comme ça. Et donc le mec ne peut plus aller dans le portail. Ah, ça y est, est-ce que tu peux le voir? D'accord, ok. J'ai la tête d'Agrippa, je le balance. Est-ce que tu peux le voir? Un tout autre monde, n'est-il pas beau? Voilà, il veut aller dans un autre monde en fait, le gars, et nous on va mettre l'autre mort-vivant à la place de lui en fait. Comme ça, lui, il pourra pas y aller. Et ça le fera bien chier. Et moi, je suis heureux. Tu ne pourras pas prendre. Tu es encore corrompu par l'ombre. Et elle te consume, quoi qu'il arrive. D'accord. C'est bon, là, il est ouvert. Il est ouvert. Wow. Merde, j'ai pas eu. Oh, wow. Fuck.
Aïe! Oh saloperie! Oh je vais crever! Oh! 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 Thank you, my friend. Your sacrifice won't be forgotten. You will be celebrated forever. C'est quoi cette fin de merde? C'est quoi cette fin pourrie? Honnêtement, j'ai envie juste de. On peut pas. On va voir si, où ça nous amène en fait la dernière sauvegarde. Parce que comme ça, au pire, on pourra essayer de voir les trucs. Parfait, parfait. Donc là, l'autre mec à poil là, il a réussi à passer dans le portail. Là, cette fois-ci, on va pas le laisser passer dans le portail. On va casser le portail, voir la fin. Et puis, troisième fin, on va lancer la tête dans la. D'Agrippa dans le portail et on va voir un petit peu ce que ça donne. À ce moment-là, on aura les trois fins. Par contre, je veux voir si je peux déjà commencer à casser les trucs. Voilà, parfait. Non, ne fais pas ça, si, t'inquiète, je vais le faire. Je vois que tu doutes de mes intentions. Pourquoi est-ce que tu prendrais de tels risques pour sauver ta vie? Arrête, Daniel, tu es en train de la détruire. Nous sommes si proches, je t'en supplie. Attends, j'arrivais. Peut-être que j'essaye de sauver la mienne aussi. Ok, d'accord. Boum, voilà. Oula, l'ombre elle est pas contente. Ah, l'ombre elle est en train de tuer le gars. Et moi alors, qu'est-ce que je deviens là-dedans? It was my greatest triumph, and I never looked back. You think I was afraid fleeing Brennenburg? Quite the contrary. Putain, j'aime bien cette musique là, gars. I knew it was my purgatory. Hellfire made to wash away my sins. Je crois que c'est la bonne fin celle-là. There's no denying the things I've done, but I have paid my tribute. I gave up that awful man. I did the right thing. Ça c'est la bonne fin à mon avis. Ça c'est la bonne fin. Hop, on va essayer de voir la troisième maintenant. Puisque là on est sorti du château. Hop. L'autre, l'ombre nous avait tué et là normalement on devrait passer à travers la porte. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre comme des cons. Par contre, je prépare la tête. Hop. Comme ça, dès qu'il y a la. Are you so blind that you see no good in me or evil in Agrippa? Bon, allez, il n'y en a plus qu'à attendre. C'est un peu long, mais bon. En même temps, la vidéo elle va être un petit peu courte. Elle va faire quoi, 20-25 minutes à peu près? Bon, c'est bon.
Allez, allez. Ça devrait pas tarder. Bon, bon, bon. On va y arriver ou quoi? Ça y est, hop, tac. Merde, merde, il est pas encore ouvert. Tac. Le portail sera très bientôt ouvert. Hop. J'essaye de le mettre comme ça, j'ai pas envie de rater. Attention, ça va aller vite, hein. Hop. Non, on peut pas encore. C'est bon. Tac. Non, pauvre idiot. Tu nous as ruinés. Boum, il est détruit. Et moi, je meurs. Ah, on peut bouger. There he is. Le voilà. Do you see him, Vaya? Est-ce que tu vois, Vaya? Il mérite tellement plus. Encore, encore, ok. Please, help him. I know you can. Don't worry, Daniel. It will be all right. Ok, bon, j'ai pas tout à fait compris, bon c'est pas grave. Le principal c'est que Amnesia The Dark Descent c'est fini. Donc tout d'abord je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi durant ce let's play, parce qu'il a été franchement très long, ça a été le plus... Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, puisque ça va être la 10e vidéo il me semble, la 9e, la 10e, 10e je crois. Et mais c'est un jeu que j'ai fait sur une durée de 1 mois, donc même plus je crois. Donc je remercierai toutes les personnes qui m'ont suivi, toutes les personnes qui sont abonnées, il y en a beaucoup, il y a presque 50 personnes qui sont abonnées durant toute la durée du let's play. Ouais, peut-être entre 40, 50, je sais pas, vraiment énormément de personnes qui sont abonnées, ce qui m'a permis d'atteindre les 200 abonnés, même plus là à l'heure actuelle où je vous parle, je crois que j'ai 205 abonnés. C'est juste super. Je remercie également toutes les personnes qui se sont abonnées. Et donc j'espère que vous continuerez à me suivre sur mes prochains let's play. Le prochain on le passera sur Xbox, on va la faire chauffer un petit peu, ça fait longtemps qu'elle a pas tourné. Et donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.